quelle a été la position du gouvernement une fois informé que des policiers en mission à Village des Dieux sont en grande difficulté, en détresse, en danger de mort et criant au secours? Deuxième question. Quel comportement adopté par le ministre de la Justice lors des appels au secours lancés par des policiers en détresse à Village des Dieux? Vous savez, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 stipule que tout homme présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Juste avant, mes amis, juste avant. C'est pas encore cet article. Alors, car l'article 12 du Code de la déontologie policière fait du ministre de la Justice le défenseur des fonctionnaires de la police nationale contre les violences, les menaces dont ils sont l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. Dans l'intervalle, troisième question, dans l'intervalle, quelle partition jouée par le directeur général de la police nationale d'Haïti? Selon l'article 15 du Code de la déontologie policière, l'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai. L'emphine cité article ça y est, qui t'aime poser question ça y est. Pendant le policier était en agonie, en dans Village de Dieu, a demandé secours. Est-ce que DGA, pas de bail l'autre pour porter au secours? Si tu as l'autre, c'est qui est-ce qui recevra l'autre ça? Si tu as officier qui te recevra l'autre là, et pour qui ça, il n'y a pas mettre l'autre ça en application. Si tu as un obstacle pour l'autre là appliquer, qui ça y a-t-il? Tu as un bon nom policier qui te pote yon volontaire pour porter secours à frère d'amio, collègue, yo, promotion, yo, zami. Pour qui ça, déjà la police là, te refuse aide yo a? Qui explication déjà PNH là, kabaye sous ça? Ce refus de porter assistance à des policiers en danger de mort à Village de Dieu est-il technique ou politique? Policiers qui étaient blessés dans l'opération, comment ils ont fait pour quitter le village là? Quels moyens ont été utilisés pour aller à l'hôpital? Et qui moun tout qui t'a aidé pour faire ça? C'est une question que nous avons posée toujours. Il est à remarquer que la police nationale a été humiliée, insultée, avilie. Le drapeau national souillé, l'autorité de l'État affaiblie. Mais c'est qui monde ça y est qui est responsable et pour qui cause? Bref. La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la Constitution, les conventions internationales et des lois. Sur cette base, nous, SPNH 17, aimerions savoir quelle constitution, quelle convention internationale et les lois de la République autorisant le DG de la PNH à introduire un corps étranger, pour être plus clair, une nouvelle unité regroupant et
des civils armés, des bandits recherchés sur l'appellation de All Black au sein de la PNH. Nous exigeons des explications. La police, dans une société démocratique, a pour cheval de bataille la loi et non l'anarchie. Sur quelle base légale est appuyé l'EDG de la PNH pour lancer une offensive arbitraire contre les policiers du SPNA 17? Au magistrat, il est porté à votre connaissance qu'aucun tribunal, à quel niveau qu'il se situe dans la hiérarchie judiciaire, ne peut endosser la responsabilité de trancher un différend à partir des idées préconçues et des faits puisés en dehors des moyens de preuve admis par la loi. Mandat lancé en dehors de flagrant délit, des accusations faites à l'encontre des membres du SPNA 17 non conformes au procès verbal dressé par le juge de paix relatant les faits, l'arrestation illégale de notre ancien porte-parole, ami, collègue, membre du SPNA 17, Abelson Bonnègue, sans mandat, véhicule banalisé des individus encagoulés, portant l'uniforme de la police, attribuant à l'UDMO d'après la direction générale de la police. Ignoré par le responsable de l'UDMO dès lors, qui selon lui, aucun rapport d'arrestation ne lui a été soumis jusqu'à date. Vous savez, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 stipule que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il a été déclaré coupable. Le SPNH 17 aimerait savoir quel texte de loi autorisant les autorités concernées à procéder à l'arrestation et à la détention de son membre, le syndicaliste Alberson Bonnègue, placé en détention depuis plus de 2 semaines en dehors de la constitution haïtienne qui garantit la liberté individuelle. Quand elle affirme dans son article 26 « Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les 48 heures qui suit son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation. De ce fait, puisque nos autorités, plus particulièrement le DG de la PNH, agissent dans le non-respect de la Constitution, les conventions internationales et des lois de la République, avant qu'il ne soit trop tard, nous lançons un vibrant appel aux organisations des droits humains nationales et internationales. Le Canada, la France devraient travailler ces organisations pour le respect des droits de l'homme, en forçant les autorités haïtiennes ainsi que le DG de la PNH à respecter la vie de ses compatriotes haïtiens, des policiers haïtiens se trouvant dans une situation très compliquée, difficile, en exerçant leur profession. De dire non, non, non à la violation des libertés individuelles. En somme, nous allons faire tout ce qui est prévu par la loi en la matière pour forcer le DG de la PNH d'agir ou de réagir dans les limites fixées par la Constitution, les conventions internationales et des lois de la République gouvernant leurs agissements.
La mort de tout homme me diminue. Vous répétez, monsieur John Doe. Frère mio, zami mio, collègue moi yo, nous t'ai choisi faire un job difficile. Pendant nous t'ai quitté faculté nous. Gagnon nous qui quitté qui t'en fait licence. Gagnon qui quitté qui t'a fait deux facultés. Et gagnon également qui t'est à peine entré dans la faculté. Mais nous t'ai voulu vin porter concours support avec institution ça qui c'est PNH là. Nous t'ai voulu travail pour être capable aider tête nous pour nous gagner yon moyen pour nous vivre et pour nous et ensuite pour nous capable servir pays nous. Oui. Même gens avec moi nous t'ai préparé pour nous venir faire job difficile ça. Mais nous t'ai fait conviction nous tout si n'a agi dans respect la loi, si n'a agi selon ça et normes institutionnelles yo même aussi, si n'a fait devoir nous, si n'a fait mission nous gens que société a lui même li attend ni nan men nous pas gagner pour nous faire rien, nous pas ta gagner pour nous craindre rien, nous pas ta gagner pour aucune frustration. C'est ça, c'est comme ça que nous t'es venu en dedans institution. Nous t'es peut-être nous volontaires pour nous te bailler sans nous, pour nous te bailler dans nous, pour nous te bailler compétences nous, savoir nous, pour te mettre disponible pour payer nous mettre au service nation. N'a demandé avec toute famille policière qui tombé. Nous connaissons que nous faisons un pile sacrifice pour que nous capables non seulement voyez petit nous l'école dans un pays qui est très difficile pour Haïti et deuxièmement pour nous capables voyez dans la faculté et jouer un moyen pour le travail pour venir aider nous en retour pour venir parce que comme nous toujours dit malheureux fait petit pour dol capable reposer nous donc c'est peut-être ça que nous-mêmes nous te attendre que petit nous yo qui vit en dans institution demain si Dieu veut les que nous malades les que nous pas capables c'est eux-mêmes qui pourront seconder nous. Malheureusement, institution qui ont entré la donne, institution qui ont fait des sacrifices, institution qui ont bail sans yo, pour être capable de porter uniforme. Uniforme ça souillé avec corps policier. Uniforme ça li banalisé, li humilié, traîné dans la boue avec corps petit nous yo. Et nous t'attendons en pile famille. Il a dit, pas mon petit saut, pas mon petit pied, pas mon petit tête. Il met son petit zone, pas moins, pour me capable à le faire. Prendre petit moyen, un dernier hommage. Prendre madame moins, un dernier hommage. Prendre papa, un dernier hommage. Prendre sans mime, frère, cousin, un dernier hommage. Et jusqu'à date. Jodi a fait encore un mois, pas jamais gagné aucun rapport, pas jamais gagné deuil. Et l'institution a gardé nous dans le jeu, a dit nous. Famille a continué à prier départ, petit Dieu. Elle a continué à prier. Elle a continué, code qui m'a restitué à toujours là, ou même responsable. Ou même roi état-major là. Ou même qui n'en roi état-major là. Ou même DG. Comment ou même ou senti ou? Les que ou attendez sur les ondes, parents sa yo ta prié. Parents sa yo qui senti yo déçu de l'institution, qui senti yo également déçu de pays là. Comment senti ou?
en étant que papa petit, l'obtendé, maman qui a prié, qui a demandé un tisson, un tisson. Nous n'avons pas aucun effort que nous faisons pour ça. Nous étions sous bloc, place nous, n'a pas gardé. Nous même en dans structure SPNH 17, n'a pas dit et n'a continué dire. Sans ça, les papes coulent pour grand ici. Sans ça, papes coulent pour grand ici. Il s'agit de monde qui était dans l'opération depuis la conception jusqu'à la matérialisation. Il s'agit de monde qui a supposé prendre des décisions pour aller chercher corps policier jusqu'à présent qu'il peut faire. Mais nous avons dit, sans ça, yo, pas pour nous, pour prendre ça. Nous avons dit, dans le soutien SPNH 17, nous avons dit avec l'institution pour fermer les vannes. Van qui a tué policiers. Il n'y a pas l'autre que nous tous nous connaissons. Politique, car lui, c'est ça qui a tué policiers et qui a fini avec l'institution et qui a continué à traîner l'institution dans la boue. Politique, ça fait que journée chaudie. Nous-mêmes qui faisons partie de structure SPNH 17 et que nous gagnons membres nous que continuer à assassiner de vous. Nous gagnons 13 membres qui ont mis des avis de recherche derrière vous. Nous gagnons que vous mettez un décerné mandat derrière vous. C'est tuer l'institution à continuer à tuer les policiers. Il tue au debout, il fait au marron, il fait al caché. Et c'est ma première fois que ça a fait. Et nous-mêmes, en dedans structure là, on a continué à camper, on a continué à être debout pour nous gommer, non seulement pour co-policier ça, qui était mort 12 mars là, pour que l'institution bah nous yo. Et deuxièmement, on a campé, on a continué à gommer pour que l'institution va continuer à manger jeunes garçons, jeunes femmes en dedans. N'a pas campé pour nous gommer pour que l'institution ça, c'est une institution qui répond avec normes. N'a pas campé pour nous gommer pour que l'institution ça, qui entre dans l'universalité, c'est-à-dire pour fonctionner même gens avec toute police fonctionner dans le monde. N'a pas continué à gommer. Pour les policiers qui ont un casque, pour les policiers qui ont un uniforme, pour les policiers qui ont un bot, pour les policiers qui ont un gilet, pour les policiers qui ont un matériel de travail, nous avons continué à gommer pour les policiers capables de gagner et moral fort. Parce que si la morale policière n'est pas en forme, il n'est pas capable de faire une sécurité adéquate. Si les policiers étant que pendant que les sous poste, la pensée à madame qui est à l'hôpital, à petite qui ne va pas payer l'école, avec caille qu'elle ne va pas payer. Si la pensée avec un problème qu'elle gagne, que n'y a pas de moyen pour le résoudre, eh bien, service que la population a besoin, service que la population a besoin, service que, et objectif alors, institution qui est fixée là, il n'y a pas capable d'atteindre. On a continué pour nous, on a continué pour nous demander. Pour être capable de démilitariser l'institution, dépolitiser et dézombifier. Bye, avec structure SPNH 17, toute la geste que le mérite. Parce que SPNH 17, c'est des collaborateurs. SPNH 17, c'est des mouns qui entendent, qui t'arrivent que institution bien fonctionné et qui a bataillé pour ça et qui voulait ça et qui t'a aimé que les gens campent dans la rue avec un uniforme. Il n'y a pas besoin de 50 000 jeunes fierté qui a cherché. Mais c'est un seul grain qui campait. Il y a une fierté, il y a un respect et tout droit respecté. Merci avec la presse, merci avec tout le monde. Non, s'il vous plaît. Domon Sensi. Monsieur,
votre parole est pénalty. Mais présence, c'est parce que vous montrez avec la population. Il ne va pas le CG, c'est appel. Connect, c'est la première petite maison Connect, accompagnée de madame, et seul d'appeler, et plusieurs fois. Finalement, Mette Marie pour parler. Et puis, il y en a remarqué le PSG, Georges. Et il y a exposé photo de tout policier qui mouille 12 mars passé dans la finale de Dieu. Je fais exposition de toute photo. Voilà, nous devant le local du SPNH, au niveau de Bois Vernat. Et du côté, porte-parole SPNH lui-même, tout à fait fait rappel à propos de ça qui passait, que cela fait un mois depuis que vous petit confrère qui était à faire opération en dehors d'un village et que vous êtes arrivé près de Chao, mais vous n'êtes pas arrivé près encore, monsieur Sam. C'est pour ça que ça a été devant le local SPNH qui a raconté l'orientation avec Bordeaux Sébastien. Merci, à la prochaine.